circule à nouveau vers le caveau. Cela devrait nous donner une chance d'y pénétrer, à condition toutefois que nous parvenions à l'atteindre. Nos alliés Maldraxxi ont trouvé un moyen de transport qui nous permettra d'accéder au caveau et d'en revenir. Nous devons nous hâter. Si les sbires du geôlier mettent la main sur le cachet avant nous, Corsia ne sera pas seule à souffrir. L'ensemble de l'Ombre Terre sera menacé de disparaître. En route sans entrave, nos troupes nous attendent. C'est une connerie! Je le répète, c'est une connerie d'aller chercher ce putain de cachet! Il y a de l'entrave, les armées des congrégations résistent encore. Mais nous devons nous hâter. Une aile écorchée vous attend juste là, sans entrave. Elle vous emmènera au camp avancé. Oh, excusez-moi. Petit souci. Arrête de m'afficher des trucs comme ça. Pourquoi j'ai. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai. J'ai des messages de Windows qui apparaissent alors que. Alors qu'il ne devrait pas. Bon. Des notifications à la con. Allez, on suit les bouboules pour faire une belle boulette. Chrétien de monture. Oui, bah. Attendez, on va s'arrêter là-dessus quand même. Exploration de l'ombre terre. Ah ouais, donc j'ai tout exploré, il me restait plus que. Bah non, bah ça c'était déjà exploré. Mais. Mais ok. Et du coup, bah il restait aussi Corsia. Qui me manque. Ah oui, Vacherir, mais parce que c'est pas. Je sais pas pourquoi il n'est pas accessible sur le serveur Vacherir. Faudrait que je le fasse. Enfin, si c'est accessible maintenant, faudrait que je le fasse. Mais Ombre Terre. Faudrait que je me renseigne pour tuer une de ces créatures. Et on aurait quasiment fait toutes les explorations de l'ombre terre. Mais bon, enfin voilà. Sympa. J'ai exploré tout l'ombre terre. En quoi ai-je vous être utile? Jusqu'à présent, nous avons résisté à grand-peine à l'assaut des troupes du geôlier. Par chance, votre arrivée va changer la donne. Je sais que vous cherchez avant tout à pénétrer dans le caveau, mais il y a là des archivistes qui ont besoin de notre aide. Ils savent tout sur le contenu de ce sanctuaire et ces informations ne doivent surtout pas tomber entre les griffes de notre adversaire. Secourez trois archivistes près du caveau des secrets. Et. Protégez
protéger toujours les secrets. Défendre le caveau. Nous devons nous frayer un chemin à travers les rangs des entreliges pour atteindre le caveau. Les congrégations font ce qu'elles peuvent pour retenir ces hordes de monstres. Mais le temps nous est compté et l'ennemi fera tout pour nous prendre de vitesse. Aidez-nous dans notre combat contre les troupes du geôlier sans entrave, puisque le dessin nous guide tous autant que nous sommes. Aider la protectrice Kruna à vaincre les envahisseurs de l'entreprise. Vous auriez votre place en Aldraxxus, protectrice. Bon, on va surtout se focaliser sur les Gugus à sauver là. On butera les ennemis au fur et à mesure. Là par exemple. Pas dans un endroit un peu dangereux là. Ravi de nous voir, Saïsou, mon ami. L'âme sans entrave était une arme de mes visions, mais pas vous, Takalal. Les fils du destin nous réservent bien des surprises. Ça je pars, non mais oh oh. Ok d'accord. Je peux pas voler.
putain, mais c'est pas possible. Et pourtant, il y avait un autre joueur derrière moi qui attaquait aussi. Hein. Oh, c'est pas vrai. Je pense qu'on va essayer de bypass ce passage. Les deux ennemis là, parce que... Et pourquoi d'habitude je peux voler quand je meurs en... Pff, ouais, en vrai, il y a plus grand monde. Hop, allez. Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin... Je voudrais juste pas que les autres mobs repop quoi. Pour ça, on continue. Venez, mon ami. Il serait important de vous exposer au danger, Dalgalan. Le grand monde des grands remèdes. Je flexe un peu, là, hein.
Ok, bon. C'est une monture. Tal Ghul, vous resterez dans vos souvenirs. Bon, malheureusement, il y en a un qu'on n'a pas pu sauver. On va essayer de flex un petit peu. Tout ça pour gagner 4% quoi. Bon, qu'est-ce qu'il me reste Bon, on va essayer de progresser un petit peu. Est-ce que ça, vous pensez que ça passe? Ça va passer difficilement, je pense. Ouais, très difficilement. Écoutez, ça aurait pu être pire. Je suis hors de portée. Ah.
Je suis trop loin. Je suis mort. Non, je récupère. Je récupérerai pas. 74% quand même, hein. J'ai quand même bien augmenté la jauge, hein. J'ai quand même bien tenu dans cette mêlée, hein. Oula. Attendez, il va vraiment falloir que je fasse tout le tour. Non. Non, je peux passer par là. Bon. Je pense en vrai qu'ici, si on se débrouille bien, on peut compléter la jauge, hein. Non. Voilà. Putain, j'ai pas vu que mon marcheur était mort. C'est ces trois-là là qui me le désinguent, hein, mon marcheur. Je dois m'accrocher. Parce que sinon les petits mobs ça va, quoi. Ah bah, ok. Je pensais tenir. Ah, puis là, j'ai quasiment rien gagné. Je suis à 78%. J'étais à combien tout à l'heure? Bah, j'ai gagné 2%, je crois. Putain. Bon, on va essayer de trouver notre spot plus.
plus rentable. Bon, en vrai, de toute façon, je pense qu'on va... On va encore devoir en affronter, donc... Il vous faut quelque chose. À moi, il me faut la gloire. Je n'oublierai pas votre nom quand je serai un tueur célèbre. Encore une fois, hein, vous... bon, il y a beaucoup de bruit de bagarre, mais enfin de mes sorts et tout ça. Mais si vous entendez la musique de fond, encore une fois, hein, World of Warcraft, toujours une référence pour les bandes sonores. En vrai, ce jeu, je le kiffe, ne serait-ce que pour ça, quoi. Il a une identité sonore, ce jeu. Non, franchement, c'est magnifique. Il y a un autre joueur ? Je suis trop loin. J'ai vu des sorts de glace partir, je me suis dit, il y a un autre joueur. Oui, il y a un autre joueur derrière moi, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis hors de portée. Je lui file un coup de main. Hein. Bon, on a 90%. Moi, je suis full vie. Mon marcheur de vie des midlife. Je vais quand même le réinvoquer.
cet endroit. Écoute. Je suis trop loin. Bien. 96%. On va finir par y arriver. Je dois m'approcher. Gourmand, beaucoup trop gourmand. Là, j'avoue, j'aggro beaucoup trop de mobs en même temps. En même temps, je suis pas loin, 96%. Là, c'est chaud quand même. Qu'attendez-vous de moi ? Ah bah, c'est bon, t'es déjà invoqué. On va prendre lui. C'est bon. Allez, let's go. Viens là, toi. Il faut bien commencer quelque part, hein? Devenez inoubliable. Ça me fait penser à quelque chose, mais bon. Le savoir est tout autant un fardeau qu'une malédiction. Je crois qu'il va me falloir un reload. Ouais, à mon avis, j'ai lancé un petit reload. Ouh, j'avais pas vu ça. J'ai ce qu'il vous faut. Ah, ça me coûte une blinde, mais bon. Revenez vite. J'étais bien. Bon, mon armure était bien endommagée. Du coup, qu'est-ce que je vais pas sauter là-dedans? On dirait, hein. Enfin, ça ressemble à... Bon, on va regarder l'appel du Prima.
Après notre échec face au geôlier dans le Sanctum de Domination, il a happé Oribos dans l'antre et abattu l'arbitre avant d'ouvrir un passage vers Zereth Mortis. L'heure est venue de lui emboîter le pas. Nous devons nous rendre dans la salle de l'arbitre pour nous frayer un chemin. À notre tour, putain, on a raté des cinématiques. Qui devrait être là. Ça, normalement, il est le geôlier qui ramène Oribos dans l'antre. C'est une cinématique, normalement, et on l'a. Je sais pas pourquoi on l'a pas. On est en serveur privé, hein, donc tout n'est pas très bien scripté. Malheureusement, c'est pas grave. Parler à Taliara, à Oribos, pour accéder à la salle de l'arbitre. Incursion dans le caveau. Bah normalement j'ai accès à cette quête là, mais elle n'apparaît pas. Donc à mon avis ça doit pas être encore être scripté, mais on va pouvoir continuer après. Pour retourner à Oribos, on va pas s'embêter. Pierre de foyer, on va passer par Satra. C'est plus simple. La lettre pour le moment. Pour le moment, les reventes, je vais attendre un petit peu. Faites le bon choix. Mort à nos ennemis. Parlez, mortels. Qu'est-ce que... Hein? Sur l'instance? La guerre est imminente. Les congrégations sont de retour. Mais il nous manque encore un cachet pour poursuivre Zoval, celui de l'arbitre. Si sa présence est perdue dans les ténèbres, sa voix résonne toujours en nous.
Loué soit sa voix. Ensemble, nous allons matérialiser le dernier cachet. Telle est notre raison d'être. Ok. Quel est votre dessein ? Votre ennemi est implacable. Les portes de Zereth Mortis sont à présent ouvertes. C'est ici que nos chemins se séparent. Nous autres éternels n'avons pas droit de citer sur les lieux de notre création. Et Zoval a défié les lois les plus sacrés des progéniteurs. À partir d'ici, vous devez faire cavalier seul. En route, trouver un lieu sûr où les troupes des congrégations pourront nous rejoindre. Ensuite, nous pourchasserons le geôlier et nous mettrons un terme à cette folie. Commencez le voyage vers Zereth Mortis en chevauchant le Wyrm d'Anima. De l'autre côté de cette porte s'étend Zereth Mortis, le royaume des fondateurs et le cœur battant de l'ombre terre. C'est un lieu sacré, interdit aux étrangers, même au Panthéon de la mort. Malgré tout, il faut empêcher Zoval de s'introduire dans le sépulcre. Votre périple ne sera pas sans danger. J'ai entière confiance en vos capacités. Faites-nous savoir quand vous serez arrivés à bon port, et les congrégations suivront. Bonne chance. La porte est ouverte. Prenez le Wyrm d'Anima et franchissez-la. Donc j'ai pas bien compris à quel moment il avait ressuscité, lui, hein, mais bon. Attendez. Pélagos, qu'est-ce que tu fabriques ? Prima, avec votre permission, j'aimerais l'accompagner dans son voyage vers l'inconnu. L'Arconte serait fier de vous. Vous avez ma bénédiction. Non, t'es chiant, toi, non, viens pas. Fort. Oh, pure perte. Dénatrésime. Levez-vous, entre-lige. Détruisez-les. Prenez le Wyrm et attaquez vite! Vite! Servez-vous de mon pouvoir pour détruire les envahisseurs!
Il me faut fuir. Je marche sur l'eau. Sans entrave ? Où êtes-vous ? Ah, je suis là. Avec toi, malheureusement. J'aurais préféré un autre compagnon que toi, je t'avouerai. T'es la gosse. Y a-t-il des nouvelles intéressantes ? Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. C'est toi. C'est ça que tu peux faire pour moi. On est arrivé à Zaras Mortis. Je rêve où on est en train de marcher sur l'eau. Quel endroit prodigieux. Enfin, d'après le peu que j'arrive à en voir à travers cette purée de poids, il me semble distinguer une sorte d'édifice loin. Peut-être trouverons-nous des réponses. Le portail a disparu. Les entreliges l'ont peut-être détruit derrière nous. J'espère que Cléa et les autres vont bien. Ces êtres semblent ignorer notre présence. Étrange. Ohé ! Non, mais ta gueule ! Putain ! Vous avez compris quelque chose ? On aurait dit de la musique, mais aussi une langue. Voilà. Encore des agents du geôlier ? Au contraire, nous cherchons à l'arrêter, mais nos alliés sont à Oribos. Aidez-nous à les rejoindre. Vous m'avez l'air bien trop ahuri pour être des entreprises. Venez, parlons. Ah bah Pelagos, pour une fois que ton air un peu niais nous sert à quelque chose. Sommes-nous d'un tel savoir. Je recueillis des données dans les environs quand l'ouverture de notre portail a déclenché ces mécanismes de verrouillage. À charge pour vous de réparer les dégâts en rassemblant mes affaires ainsi que les clés de la porte. Nous n'aurons qu'à discuter pendant que vous vous atteliez à la tâche. Je suis le Férim. Vous avez forcément entendu parler de mon expédition en quête de Zaras Mortis. Non. J'ai bien peur que non. Mais les négociants du Bastion évoquent parfois une expédition disparue il y a longtemps, c'est vrai. Les merveilles des fondateurs seront... Disparues ? Je ne crois pas ! J'ai trouvé cet auguste et prodigieux royaume. Ok, bon, admettons. Je suis si proche de comprendre. Oh, bonjour. Okay. Je sais pas, est-ce qu'on peut prendre un de ces trucs là? Est-ce que... Non. Bon, l'avantage, c'est que ça a pas l'air d'être trop hostile.
Je ne vois aucun entrelige dans les parages. Où sont-ils? Les troupes du geôlier se répandent comme la peste aux quatre coins de Zeres Mortis. Nul doute qu'ils cherchent à pénétrer dans le sépulcre. Méfiance. Ces agents sont partout. Ce sont des automates, les gardiens de Zeres Mortis. Ils nous viennent des fondateurs. Les splendeurs de Zeres Mortis sont innombrables. Pour chasser le geôlier hors de Zeres Mortis, nous allons devoir mettre toutes nos ressources au service de notre combat. Il y a dans un dépôt proche un objet au potentiel non négligeable. Le problème, c'est que les défenses de la chambre forte ne répondent qu'aux automates. Je me refuse à leur faire le moindre mal, mais par chance, j'en ai trouvé un qui ne fonctionne plus. Récupérez sa main et nous en servirons pour accéder au dépôt. Si je répugne à faire si piètre usage des créations des fondateurs, la présence des entreliges est un affront intolérable à cet auguste royaume. Suivez-moi. Vous allez m'aider en me procurant ce dont j'ai besoin. Ne faites pas attention aux automates. Tant que vous ne les contrariez pas, ils vous ignoreront. Celui-ci est inerte, mais il peut encore servir. Allez me récupérer sa main, mortel. Attention! Pas de loot. Bah bravo Nils.